Allez, c'est parti pour l'acte 9. Tac. Commence par là. On va rusher un peu, hein. Donc ici c'est très simple, hein, il suffit de longer la gauche. Normalement on tombe assez rapidement sur les espèces d'ascenseurs, les passerelles. Pour pouvoir atteindre l'autre zone. Ah bah syndicat. Hop, on pose les totems et on y va. Regardez, la porte elle fond. Ils sont trois. Ouh. Voilà. Ils ont piqué un peu, hein? Ah, cette aura qui m'a fait mal. Mon fortification, non. Ça dégage. Wagon, tac, 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 non. Allez hop. Ça, on le récupère. Elle est où la meuf? Elle est là. Unveil le petit truc. C'est le casque. Hop! On est parti. Toujours la gauche. Ah. Pas idée à bloquer le passage comme ça, hein, sans déconner. Toujours la gauche. Sans déconner, le truc est tombé là-bas. C'est marmonté. J'ai mon coring. Chaud. Hop. Je vais pas tout ramasser, sinon j'en ai pour un petit moment. Donc là, on est dans le désert, il faut trouver l'espèce de bitonio là où il faut cliquer dessus pour activer une quête. Ah oui, bah excusez-moi, hein, c'est dès que je démarre le jeu, il y a des petits soucis. Comme d'habitude. Hop. Non, ça je vais pas le faire, on va faire le syndicat vite fait. Tac, totem. Et regarde comment ça fond. Ah, mais il est tout seul. Cameria est tout seul. Oula. Il est mort, Cameria. Cameria, il est au become twisted. Non, non. Hop. Donc, trouvons déjà le TP. Sans chercher le truc que je vais chercher une heure, c'est ça? Je crois que c'est plus vers le nord. Ouais, c'est là, ben voilà. Donc ça, c'est fait. On a déjà trouvé ça. Il nous faut trouver le petit chemin pour aller vers l'oasis. Où il y a la tempête. Est ici. Voilà, on a le texte. Maintenant, faut trouver. Une map. Un 6 slots.
ça c'est la sortie. Voilà, c'est par là. Encore une map? Parce qu'ils bougeront pas, on récupère ça. On est loin du TP ou pas? Non, juste là. On va se nettoyer la place pour tout à l'heure. Parce qu'on va revenir. Hop, on va en ville. On part à Sine. Et on part à Petarius. Donc ils vont nous donner une merde. Donc hop, on récupère ça, n'importe. Ça ne me servira pas. Et on récupère surtout la petite bouteille. Sale item. Hop, ça se vend, ça se vend, ça se vend, ça se vend. Nickel. Hop, hop, hop. Hop, hop. 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 J'ai un peu trop de trucs. Non, pas. Donc, on va pas revenir à chaque fois pour les quêtes, hein. Juste là où on est un peu obligé. Donc là, du coup, maintenant qu'on a la petite bouteille, on fonce en haut. Ah, ça nous débloque la porte. Et on peut y aller. Et là, il faut trouver l'entrée du boss, du scorpion. Oh, le syndicat. Ouais, bah, tout seul, tu feras pas grand-chose, mon pépère. Hein. Niveau 2, allez. Transport? Je sais pas, on verra plus tard pour les mettre. Hop. Ah, il y avait un fantôme là. Coucou toi. Elle meurt. Il y a Monsieur Mine. Et là, le boss est ici. Alors, vu que ça lague un petit peu ce matin, c'est un peu de mal. J'espère que ça va aller. Il m'a mis un coup de queue. Alors là, il suffit de courir. Bon, elle est où? Bah. Ça a bugué? Je crois que ça a bugué. Je suis allé beaucoup trop vite. Elle est où? Elle est que là? Ah, d'accord.
Bon ben, faut y aller doucement en fait. Va popper par là. Voilà. Hop, il nous saute dessus. Coup de queue. Non, ah non. Encore un saut. Ouais, il est parti dans sa série de sauts. Hop. Coup de queue. Il va recommencer à sauter. Ah non, là c'est ses. Hop, c'est ces petits trucs là. Ça c'est chiant. Ça me move. Hein. Viens te battre au lieu de sauter dans tous les sens, saloperie. Raté. Oh là, sous le mandol. Voilà, pour faire un arc, un totem. Donc ça c'est bon. TP. Va falloir que je reprenne des pare-chaud de portail parce que j'en ai plus qu'un, du coup, maintenant. Est-ce que j'en aurais là-dedans? Oui, 10, allez hop. Genre, yes. Hop. On récupère le point. Un petit point, un petit point, un petit point, on en était où? Ça c'est bon, on va prendre la life là. Hop. Donc on revient ici au désert. Hop. The Foothill. Ouais, je vais pas faire le vent. Regret et c'est quoi qui est tombé? Juste un regret? Oh, il est tombé l'autre. On longe à gauche aussi, là. On arrive au point de TP. Hop, on le débloque et on prend le lac acide. Qui nous permet d'aller chercher l'acide qu'on a besoin pour la quête pour débloquer. Donc là, il y a une art, hein, mais je vais pas m'attarder dessus. Bon, les maps, c'est pareil, je vais pas trop les prendre, j'en ai plein. Oh, plus je le fais parce qu'il était sur le passage. Bon, il est sur le passage aussi, le rouge. Bon, il est mort, on dégage. Voilà, c'est fait. Hop! Portail. On se casse. Waypoint. On revient ici, au foothill. Continue par là. Alors là, on a deux choix. C'est selon votre chance.
En gros, pour le calendar, voilà, j'ai du bol, il est ici. Parce que des fois, il peut être de l'autre côté. Donc, voilà, on récupère le calendar et on trace par là. Ça pèse bien. Pourtant, je suis 68, hein. Presque 69. Donc ici dans le tunnel, on n'a rien de spécifique à faire, donc on va juste le tracer, essayer d'aller au plus vite possible. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Oui, l'Archimirage fait son taf. Hein, checkpoint, si vous voulez, vous pouvez le prendre. Façon, on passe devant. Hop. Oh, une gemme cutter. Bon, j'ai pas d'alchi sur moi, mais. Supérieur, hop, on prend. Ah, merde, il y a le syndicat sur la route. Ou pas. Si. C'est qui? C'est qui? Ah, il y a Jorgin. Bon, c'est lui, il est déjà mort. Et Vagan. Et il y avait Léo. Ah, bah, je l'avais pas vu, tiens. Oh, bah, il a morflé aussi, le pauvre. Léo, qu'est-ce que tu fous là? Interrogation, t'as rien à foutre là. Jorgin. Hop. Jorgin, je veux le virer. Là, The Quarry. On est presque à la fin. Presque. On a encore un peu de marge. Donc là, on a Kirat à faire. On doit trouver la raffinerie et on débloquera en même temps le passage pour la. L'accès au boss final. Donc je sais pas pourquoi je tue, mais je tue. Ça on le prend. Donc soit vous avez la chance, l'accès est par ici là, à droite quand vous arrivez. Pour la l'autre zone, soit ça sera Kira, ça dépend. Bah là, aujourd'hui, ça sera Kira. Alors Kira, depuis quelque temps, je trouve que ces tempêtes font de plus en plus mal. Parce que je joue principalement en hardcore, donc je peux vous dire que je la fais assez souvent, puisque je meurs quand même assez régulièrement. Et ces tempêtes piquent de plus en plus, hein, moi j'ai l'impression. Elle vient te battre, Kira. C'est pas Kira d'ailleurs, c'est. Vas-y, moi je te face tank, moi. Ouh, ça pique. Elle arrive dessus. Tiens. Même pas mal. Voilà. On récupère l'item. On m'en fout. Ouais. Hop, hop, hop. Bon, t'as fini de causer? Tiens, hop. Impeccable. On s'en fout de ta vie. Hop. On retourne là. Et là, faut trouver la raffinerie. Chaque fois, faut qu'il me mette sur le chemin. Hein. Ouais, ça fond tout seul. Oh là là, ça fond comme du beurre. Allez, Thora. Attention, Thora peut vous tuer. En un one shot. Elle a tué mon perso en hardcore comme ça. Sur une map T5.
MAOS. Il a été que niveau 1. Oh, il y a un passage là. Hop. Là, on va chercher la deuxième partie de la quête pour débloquer les entrailles. Pour des chaos, ça. Ah oui? Laissez-moi passer. Ah, il y a loot, il y a loot, il y a loot. Mais j'ai un point à mettre. Paf. Est-ce que par là on peut sortir? Non. On peut sortir par là? Non. Sans deck. Ah bon. Il y avait un mur là. Là, il y avait un mur. Alors. Ma mana is gone. Pour moi qui l'ai dit, c'est elle. Où est la sortie? Oh, ouais, des roses. Bien ça, des roses, des roses. C'est bien des roses. Ah, voilà. Alors lui, normalement, il va fondre. Hein. Facile. Easy peasy. Alors par contre, vu que j'ai fait mon boulet, oh, et puis il n'y a pas de chemin par là, quoi. J'ai oublié de prendre le TP dans l'autre zone. Donc on est obligé d'y aller à pied. Ben voilà. Donc là, on va au middle. Bon, l'essence, hein, je m'en fous un peu. Oh putain, il y en a partout des essences. Hop! C'est ça que j'ai oublié de prendre tout à l'heure. Donc on part à la Cine. Il nous débloque ça. On va vite fait récupérer les points. Deux compétences, deux des quêtes. Donc, hop, hop, hop. On vend ça. On n'a qu'un point. On n'a qu'un point. Oui, ici. Pourquoi il est là lui? Parce que c'est l'arc qu'on a besoin. Donc, je sais pas pourquoi il est là. Ben, j'ai 3 KO. J'ai 3 KO, j'ai les cartes complètes. J'ai les cartes complètes. Est-ce que lui, il faut lui parler? Oui. On peut lui échanger à lui les cartes, mais je m'en fous pour l'instant. J'ai pas besoin de KO. On repart au quarry. Et là, on va dans Belly of the Beast.
Et on est parti. Alors, ce perso est faisable en hardcore, hein, mais par contre, on prend quand même de belles baffes, hein. Donc, soyez très prudents. Mais sinon, il y a une autre alternative à ce perso que pour le hardcore, que je suis en train de monter, que je vous présenterai bientôt. De toute façon, je ferai un petit point sur une ou deux vidéos des persos que j'ai montés en hardcore et en normal. Comme ça, si ça peut aider certains pour savoir quoi jouer, qui est viable, qui... Pour le hardcore. Y a un passage là ou c'est juste ça? Oui, y a un passage. Oh, par l'eau. Moi, j'aime bien par l'eau. Sauf que c'était pas par l'eau. Hop! Pas fait gaffe à mes points de vie, j'avais des buffs. Du bleeding. Bon, ça, c'est rapide, hein. Ah, excusez-moi. Hop. Plus vous avez l'archer Mirage qui fait un peu votre taf. Voilà. On part la signe, il nous débloque les trois portails. Je vais me faire tuer moi avec mes conneries. Ouais. Bonjour toi. Je t'aime pas toi. Hein. On s'aime pas mutuellement, hein. Hop, un petit coup de mana. Attention à votre vie ici. Ouh, elle est grosse l'araignée. Ça pique ça. Hein. Là, il va se tripler, je crois, il va nous en plusieurs fois. On te défonce, nous. Pas Kyurney? Moins plus que Chavron. Non, c'était pas par là.
Tu vois rien? Fini, je vais avec les grosses boules, toi. Sans déconner, c'est pas de ton âge, hein. On repart la Cine, vu qu'on a tué les trois. Il nous débloque la cuvette de toilette. On rentre. Hop, hop. Attention aux petits trucs violettes. Là, on va lui mettre un petit coup d'agonie de blind sur le coin du museau. Meurs. Meurs. Ouais. Et voilà. Du coup, arrivé ici, on parle à Lily. Celle tout Oriat. Et nous sommes à l'acte 9. À l'acte 10, je veux dire. Oula! L'acte 10. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'acte 10. À très bientôt. Bye bye. J'espère que la vidéo vous a plu.